Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire et dans moins d'un mois, c'est Noël. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube, sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. Eh bien oui, le grand décompte a débuté, Noël s'en vient à grands pas. Et pour certains, cette fête n'arrive pas assez vite. Ils et elles ont déjà sorti leurs décorations et écoutent de la musique de Noël, là, les grands classiques de la saison. Pour d'autres, le retour de ce temps de l'année est synonyme de stress et d'angoisse. Il y a naturellement les dynamiques familiales qui ne sont pas toujours saines, qui réapparaissent. Les pressions financières pour offrir de gros cadeaux. Et le désir de recevoir, comme on peut le voir dans des revues ou sur des photos sur Pinterest. Et cette année, on peut ajouter une couche supplémentaire avec la fatigue accumulée depuis le début de la pandémie, la frustration de ne pas être sorti de cette crise malgré l'arrivée de vaccins et l'absence de neige à l'extérieur qui rend un peu tout gris. Pour les pasteurs, ce temps de l'année, avec ce qu'on appelle la saison de l'Avent, signifie le début d'un long sprint. En plus des activités normales là, d'une communauté de foi, mais il y a toujours un peu de pression d'offrir des activités spéciales ou d'écrire des liturgies et des sermons un peu meilleurs parce que peut-être que des gens vont venir, des nouvelles personnes, et ben, on veut qu'elles reviennent, on veut les retenir, fait qu'on veut qu'ils soient impressionnés. Je dois avouer que cette année, c'est un peu différent. J'ai de la difficulté à me mettre dans l'atmosphère. J'ai essayé. En écoutant, par exemple, des grands classiques là, que j'aime écouter habituellement, « Peuple fidèle »,« Minuit chrétien » et « Le Père Noël, c'est un Québécois », mais avec des résultats mitigés. J'ai essayé parce que, traditionnellement, un pasteur offre un message pastoral à sa communauté au début de l'Avent. Et peut-être ce que j'en suis venu à penser, ce que je veux vous offrir, c'est le message suivant. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Beaucoup affirment que Noël, c'est devenu trop commercial, c'est trop de stress, c'est trop difficile pour rien. Mais on dirait qu'à chaque année, on retombe dans le panneau. C'est comme si on était pris dans un engrenage et qu'on n'avait pas le choix. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est cette année, résistez. Résistez à la pression de performer. Résistez à la perfection. Résistez au consumérisme. Et résister aux obligations sociales qui ne sont pas saines. Résister en respectant vos besoins et votre santé physique, mentale et émotive. Concentrez-vous sur ce que vous donne de la vie et de la joie. Parce que pour ceux et celles d'entre nous qui croyons en Dieu, la fête de Noël signifie le début d'une histoire incroyable.
la transformation profonde de notre monde à la suite de la naissance toute simple, presque banale, d'un seul enfant. Je vous invite à vous souvenir de ce message-là et de faire attention à vous, demeurez en santé et j'espère vous reparler très bientôt.